Ok, donc là, petit protocole pour replacer l'omoplate, surtout l'épaule, avant un coucher, avant un DM. Donc au préalable, vous massez l'avant de l'épaule, vous massez les trapèzes derrière. Et donc on va venir placer l'élastique ici. On va essayer surtout pas pincer l'aisselle, pas pincer le pec. Voilà, donc on le met en traction arrière, de façon horizontale vers le bas, comme vous voulez. L'épaule basse, comme ça. Voilà, exactement, on garde l'épaule basse. Et après, on va venir mobiliser dans le sens qu'on veut, c'est-à-dire on peut faire des rotations, on peut imiter des couchers, c'est-à-dire comme faire une, comme si on faisait le coucher, comme si on faisait un développé militaire aussi, comme si on faisait un dips. On fait comme on veut, on essaie d'aller chercher de plus d'amplitude. Maintenant, petit protocole pour le placement de l'omoplate au coucher. On va utiliser une bande petite. Putain, un rythme en plus. Et ensuite, tout en gardant les omoplates serrées et plats, c'est-à-dire pas comme ça, comme il a fait bien plat, pas qu'il y ait une pointe ici. Tu gardes les mains comme ça? Ouais. Et là, tu viens faire l'araignée. Hop. Oh là là, le rythme, putain. Pas comme ça. Exactement. Ça sert à rien. On va garder les omoplates basses, les épaules le plus loin des oreilles possible en fait. Ok. Petit exo. Alors Ruka, tu vas imaginer qu'il y a une boîte devant toi, ça peut être par exemple une boîte de grec, tu vois, et là t'es content. Et du coup ce que tu vas faire c'est qu'il y a des mecs sur les côtés qui veulent te le prendre et donc tu leur mets des petits coups sur les côtés. Hop, dégagé. Donc voilà, en fait on va essayer de bouger les épaules en rotation externe et interne. Et du coup on va essayer de pivoter les coudes vers le haut, mais tout en gardant les mains plates. Faut vraiment serrer, comme s'il y avait une boîte et qu'on voulait serrer cette boîte là. Et ensuite on va faire vers le haut, vers le bas, on revient. Ça vous pouvez le faire avant de faire l'exo avec l'élastique, et même après vous verrez la progression. Un truc à faire si vous avez les moyens, une bande de 2,5 m avant le coucher. Donc ce qu'on va chercher à faire c'est... Enfin je vais vous expliquer après. Mettre un commentaire, ça sert à quoi? Merde, ça filme là? Ouais, attends, ça clignote là. I just wanna feel liberated, I.